Hey, salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Si c'est votre première fois de voir mes vidéos, je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Eh bien, comme vous l'avez déjà vu à la miniature, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment organiser des votes sur WhatsApp. Mais avant de commencer la vidéo, on va sans jaillir, on va s'amuser un peu sur mon intro. Et voici. Et voilà, maintenant on va commencer la vidéo. On va aller d'abord dans Play Store. Là, vous aurez besoin de cette application ThinkPool. Vous l'installez, vous cliquez sur installer. Là, vous appuyez sur continuer. Et là, vous ignorez. Vous appuyez sur ignorer, vous patientez. Je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler à chaque fois s'il y a une application à télécharger, d'aller dans la description de la vidéo pour la télécharger. Je pense que maintenant, vous aussi, vous savez ça. Et là, maintenant, on va installer l'application. Vous allez voir. C'est l'application ThinkPool. Vous patientez. Là, vous voyez, l'application est installée. Vous allez dans Ouvrir. Là, vous allez dans Ouvrir. C'est comme ça. Vous appuyez sur le bouton plus ici. Et là, vous écrivez ici la question que vous voulez. Par exemple, qui aimez-vous de plus? Qui aimez-vous de plus? Je mets point d'interrogation. Là, je vais mettre maintenant, si vous voulez, première option. Là, je vais mettre une photo. Voici. Photo non refusé, je mets ici là chose image accepter. Je vais aller dans l'image, prendre là-bas une photo galerie. Regardez, je mets la personne là et encore une autre photo. La personne là, vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à quatre options. Là, vous dites garçon. Je vous montre juste un exemple. La fille, voici garçon, fille, et là vous écrivez votre adresse email, type your email. Vous écrivez votre adresse email, voici là, tout est prêt. Et là vous appuyez sur Ops AP, voici auteur apps. Vous cliquez sur auteur apps, là vous allez voir. Vous voyez, là maintenant, vous pouvez partager le sondage comme ce sont les votes. Là, vous partagez en cliquant sur Other Apps ici. Dès que vous cliquez sur Other Apps, vous allez partager. Vous allez maintenant dans WhatsApp. Là, WhatsApp. Vous allez dans WhatsApp. Vous envoyez à la personne que vous voulez ou bien dans un groupe WhatsApp. Je vais vous montrer. Je vais envoyer dans mon autre compte. Je vais écrire ici plus rapidement. Moi, je vais envoyer dans mon autre compte. Dans mes deux autres comptes, vous allez voir. J'ai envoyé. Là, vous pouvez écrire un truc. Voilà. Voici. Là, c'est le lien. Vous pouvez écrire ici. D'abord, vous laissez l'espace. Vous écrivez va voter. Va voter. Vous écrivez va voter. Ok, vous écrivez ce que vous voulez, va voter et puis vous envoyez. Là, vous avez vu, j'ai écrit ici en haut, c'est écrit va voter. Lui, quand il cliquera sur le lien, il va voter. Mais je vais vous montrer avec mon autre compte, vous allez voir. Voici mon second compte. Vous voyez, si vous savez pas comment avoir deux applications WhatsApp dans un même appareil, cliquez sur le lien qui vient de s'afficher en haut à droite pour regarder la vidéo, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Voici là.
C'est mon deuxième compte WhatsApp. Vous patientez. Là, voyez là, le lien est venu, va voter. Je clique. Vous avez vu ici, c'est écrit va voter. Maintenant, comme moi, j'ai reçu maintenant, je clique sur le lien. Je patiente. Je clique sur garçon. Garçon, et puis je clique sur voter. Voici, j'ai voté. Ils ont dit thank you. You are un sort, ça c'est en anglais. Voici, dès que vous cliquez sur votre choix et puis vous cliquez sur vote, ils vont mettre automatiquement. Maintenant, moi, je vais revenir à l'application. Vous allez voir. L'application ZingPoll. Vous voyez? Là, voici le sondage que j'ai créé. Je clique sur le sondage. Je vais voir. Là, j'appuie sur résultat. Ici en haut, j'appuie sur résultat. Vous voyez, ils ont fait sortir ici garçon 100%. Et là, ils vont faire sortir le nombre de votes. Et là, il y a un vote. Vous avez vu, il n'y a qu'une seule personne qui a voté. Et c'est comme ça que vous allez faire pour faire un sondage sur WhatsApp. Et vous pouvez passer par cette méthode aussi pour faire un sondage sur Facebook. Mais comme déjà c'est possible sur Facebook, c'est pas la peine de faire là-bas. Et les amis, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.